Pas chaud, hein. Ouais. Dites à vous la voiture au bord de la route là-bas. Ouais. À panne. Oui. Si vous voulez, j'ai un petit garage au village là. Je peux vous la réparer. D'accord. Je serai en rue du Cossanel. Ah. Il y a deux choses auxquelles il ne faut pas toucher dans ma voiture. Mon sac de golf et mon revolver. Thank you.
Oui. Bonsoir, Garrigue. Montez, c'est ouvert. J'étais loin quand Alain... Enfin, c'est... J'aime pas les enterrements. Je comprends. Asseyez-vous. Je vous offre un verre? Oui, merci. J'ai reçu ça. C'est pas sérieux. Quand un flic se suicide, les autres flics prennent ça très au sérieux. Vous, les flics, tous les mêmes. Avec vos soupçons permanents. Je le connais, le cinéma. J'ai vécu presque 5 ans avec un flic. Plutôt un ex-flic. Je ne comprends pas son geste. Il avait des ennemis. Ni ennemis, ni amis. Il y en avait un seul ami, c'était vous. Je sais. Servez-vous. Je vais vous préparer la chambre d'ombre. C'est gentil. Il n'y avait rien dans son comportement, ces temps-ci, qui aurait pu vous étonner. Je vous mets deux couvertures, parce qu'il va faire froid. Pourquoi a-t-il fait ça? Le matin, vous prenez du thé ou du café? Café. Je me sers un autre verre. La tête? Non. Le cœur. Je dois passer un coup de fil. Ici, ça ne passe pas. Il vous faudra aller à la sortie du village, près du cimetière, à la croix de pierre.
Tenez, mettez ça. Ça vous protégera. Ah, c'est vous. Je vous avais pris pour quelqu'un d'autre. Remettez-vous. Comme je suis fossoyeur, j'allais au cimetière. Je voudrais voir la tombe du rouquin. Là. Bonjour, inspecteur. Que puis-je pour vous ? Bravo. Les nouvelles vont vite. Voyance ? Non. Seulement le reflet dans la glace et les commérages de Gaston qui m'ont mis sur la voie. Vous connaissiez bien Alain. Vous venez souvent vous voir ? Un gros consommateur, un homme charmant, intelligent, beau garçon. Consommer quoi ? Des nourritures terrestres divines. Il n'y a qu'un pas. Le fournissier ? Je l'aidais, comme tous mes clients. Bonjour, monsieur Lortie. Bonjour, madame Hyacinthe. Je vous sers comme d'habitude. Oui, oui. Mais je voudrais surtout de cette boisson énergisante, s'il vous en reste. C'est fait maison. Il fait garantie. Combien je vous dois ? Je passerai un caissier chez vous. À mardi.
Alors, vous le fournissez en élixir divin, lui aussi? Vous voyez, moi je ne suis pas devin, mais je devine. Mais il n'y a pas de mal à aider son prochain. À chacun sa fiole, son élixir. Tenez, je vous l'offre. Et dans l'avenir, vous voyez, moi, je préfère lire dans les yeux. Alain, c'était un petit peu bien. Et son secret lui appartient. Et vous, là, vous êtes comme une bête blessée qui souffre de ne pas le connaître. Je sais que vous irez jusqu'au bout. Allez voir Violette, l'institutrice. Elle l'aimait vraiment beaucoup. Bonne chance. J'irai le coucher. Tout est là. Elle sera prête quand? Donnez-moi encore 2 ou 3 jours. Sur la corde. Et malheureusement, la corde est usée. Il va falloir changer vos habitudes. Sinon, c'est l'opération pièce de rechange. Valve cardiaque de porc. De quoi se faire un sang de cochon, non? Je vous conseille le golf. Ça ne demande pas un effort physique surhumain. Et puis, vous verrez, ça vide la tête. Tenez, je vous la laisse. Au revoir, monsieur Gary. Prompt rétablissement.
Madame Violette? Oui. Inspecteur Garrig. Inspecteur de police, Garrig. On m'a dit au village que vous connaissiez bien Alain. Le rouquin. Je le connaissais parce que Rose était mon élève. C'est qui, Rose? La fille d'Aline Dupré. Vous savez, c'est lui qui venait la chercher à l'école. Il s'en occupait bien. Je crois qu'il la considérait comme sa fille. Vous n'avez rien remarqué qui aurait pu expliquer son geste? Je le connaissais à peine. Pourtant, il vous attirait. À force de le voir à la sortie de l'école, nous avons sympathisé. Ouais. Dites. Quelque chose? Qu'est-ce que ça veut dire? Justement, je pensais que vous pouviez me donner des explications. Pourquoi voulez-vous que je sache quelque chose à propos de cette lettre? Disons que Rose aurait pu vous faire des confidences. Écoutez, inspecteur de police, j'aimerais beaucoup vous aider. Mais je vous jure que je ne sais rien. Maintenant, si vous permettez, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Faites. Faites. Thank you.
ce sang. C'est dangereux. Alain avait le même. Qu'est-ce qui se passe ici? Je sais pas. J'ai peur. Tout le monde me fait peur ici. Laisse-le manger là-bas. Laisse-le manger. Ta. Attendez. Là-bas. Voilà. Gaston est pas là? Non, il est parti essayer la voiture à la ferme là-bas. L'adresse. Bonjour, inspecteur. Alors, elle avance cette enquête? Un petit pas. Un petit pas. Alain, il vous en a acheté de la viande? Oui, au début. Alors, vous avez connu son ex-femme? Je l'ai vue une fois ou deux, juste avant qu'elle parte aux États-Unis. Et Alina, elle est cliente? Alina, elle n'aime pas le porc.
On les voit, hein, que tu les... Attends. Alors là, alors, tends bien les bras. Voilà. Hier soir, il est venu et il n'a rien dit. Pourtant, je sais qu'il était là. J'ai senti sa présence. Il ne parlait déjà pas beaucoup de son vivant. Enfin, compte sur moi. Trouver quelque chose, je trouverai. Je te fais confiance. Je sais que tu vas trouver. Dis-moi ce que tu sais. Alain a bien dû te dire quelque chose, te donner un détail, un indice. Je crois qu'il faut chercher du côté de la ferme. Tu sais que tu lui plais? Pourquoi tu me dis ça? T'as vu comment elle te regarde?
Merci. S'il te plaît. C'est l'amygdala. Toi, il te plaît. Je voulais poser une question à propos de ça. Vous faites marcher ? Pas du tout. C'est étrange, hein? Oh, ici, faut s'étonner de rien. Même pas de la vente de produits hallucinogènes? Ça, c'est l'héritage du camp militaire. Des troupeaux de moutons contre des troupeaux de soldats. Tu en prends, toi? Ici, tout le monde en prend. Ça fait digérer le remembrement et la solitude. Ça aiguise les passions. C'est-à-dire. Vous n'avez qu'à essayer. Merci. Je la garde pour les besoins de l'enquête. Et sa conviction, en quelque sorte. Ils mangent de tout. Ils sont comme nous. Tenez. Goûtez. Celui-là, il sèche depuis 5 ans. Tu avais su quelque chose à propos de cette lettre. Tu me l'aurais dit. Bien sûr, inspecteur. Ils se réunissent où? Les buveurs de fioles. Dans l'arrière-salle du café. Clé.
Bonjour, inspecteur. Vous avez de la chance. Vous êtes mon premier client. Vous avez droit à une visite privée. Suivez-moi. Beau. C'est magnifique. J'aime beaucoup. Oui, c'est beau. On oublie trop souvent de glisser sur la beauté des choses. Un jour, nous finirons tous là, rigides et plantés, à observer les visages qui nous dévisageront. Triste destinée, non? Non, au contraire. On retrouvera l'origine, la quiétude de l'immobilité, la caresse du liquide amniotique. Je ne crois pas qu'on puisse recommencer. Pense à l'infini. Pense à l'espace. Pense au bonheur de Rose. Tais-toi. Il est trop tard. Écoute. Ne parle plus.
Christelle. Les clés.
sans glace. Tout corps plongé dans un fluide reçoit de la part de celui-ci une poussée verticale dirigée de bas en haut, égale au poids du fluide déplacé. Normalement, la balle devrait remonter. Je vous paye un verre ? Non, merci. J'ai plus ça. J'insiste. Je voudrais qu'on parle d'Archimède. Comment se fait-il qu'il y ait des corps qui flottent et d'autres qui coulent? Je ne sais rien. Lis ça et dis-moi ce que tu sais. Un corbeau dans le village. C'est la meilleure. Il n'y a pas de corbeau ici. Il n'y a que des vautours qui cherchent les cadavres de moutons. Tu te fous de ma gueule? Je t'ai vu à l'épicerie prendre la fiole. La même que celle-là. Je vais faire analyser le contenu. On risque d'avoir des surprises. Il me faudra un coupable. Alors dis-moi tout ce que tu sais sur le rouquin. Il y a bien longtemps qu'il avait coulé, lui. Il avait même totalement perdu le sens de la réalité. Qu'est-ce que tu veux dire? Arrêtez de croire à ce que vous voyez. Arrêtez de croire aux faits. Fiez-vous à votre intuition, à ce que vous ne savez pas. Regardez avec votre peau. Vos narines. Vos cheveux. La fiole. Ça vous aidera à comprendre ce que je dis. Quoi ? Thank you.
Alors, inspecteur, on va y aller au Corneille ? Il est où ? Qui ? L'ortie. Il n'y a personne. Vous êtes sûr que vous allez bien ? J'avais cru le voir un instant. Alors maintenant, vous enquêtez sur les clients de l'épicerie du village. Le mystère s'éclaircit ou il se noie dans le mystère ? Ce que je sais, c'est qu'il y a une belle bande de menteurs ici, qui ont fait du mensonge leur réalité. C'est toujours comme ça. Alain, lui aussi, ne mentait pas. Il cachait juste des choses. Quel genre de choses ? Partout. Des choses qui auraient pu le pousser au suicide ? J'étais la lumière du village. Quand on s'est mis ensemble, je me suis éteinte. Du jour au lendemain, je suis passée du régime végétarien à la viande de porc. Curieux, non ? On ne sait pas si c'est le ventre qui agit sur la tête ou si c'est l'inverse. Est-ce que tu sais pourquoi il a écrit ça ? C'est peut-être le remords. Ou bien la peur. La peur de quoi ? La peur de mourir. Enfin, c'est lui qui s'est donné la mort. Oui. Il avait peur de mourir en restant en vie. Alors là, je ne comprends pas. Je sais qu'ils avaient pénétré un enfer. L'enfer, ça n'existe pas. Ni ici, ni ailleurs. Si, ça existe. Il est ici, l'enfer. Tout le monde ment. Même toi, tu mens. Prends plutôt la lettre anonyme que t'as fabriquée. Et arrête avec ça. Thank you.
Je pars demain. Tu as raison. C'est plus sage. Tu vas faire quoi avec l'inspecteur? Rose, fiche-moi la paix avec ça. Va-t'en tout de suite, c'est mieux. Tu l'aimais, Alain? Il était beau. J'étais un peu trop direct. Ça faisait si longtemps. T'excuse pas, j'ai l'habitude. Ah bon? Font les hommes. C'est tous les mêmes. Des couches. Gaston. C'est ça, c'est Gaston. Pourquoi lui? Il savait trop de choses. On a commis l'irréparable. Elle a tué sa femme par accident. On a signé un pacte avec le diable. Maintenant, il m'a quand il veut. Qu'il m'ait baisé comme un porc pendant des années, ça ne me fait plus rien. Mais après la mort d'Alain, il a voulu aller encore plus loin. Rose? Oui. Rose. Mais rassure-toi, j'ai déjà pris les devants. Je sais qu'on ne peut pas compter sur vous. Vous avez le cœur trop tendre. Vous êtes incapable d'agir quand c'est nécessaire. J'aimais elle. Et il m'aimait aussi. Mais à sa manière. Avec son cœur d'artichaut, ses bons sentiments et sa morale de poulet. Quand il a fallu se salir les mains une dernière fois, il est resté figé comme un automate. J'en ai assez des automates avec leurs articulations rouillées. Il a accepté que Gaston me baisse comme une truie parce qu'il a fait disparaître le corps de sa femme dans la mangeoire au cochon. Le brave paysan qui s'est laissé mouvoir par la tête d'une morte qu'il avait découpée en morceaux. Il est allé l'enterrer au pied d'un arbre, à côté du garage. C'est ça qu'elle n'a pas supporté.
Mais qu'est-ce que ça fait? Arrête-toi.
Thank you.